voir s'il n'y a pas de problème, des poussières qui se sont incrustées, des choses comme ça. Déjà, petite question. Le soir, quand vous avez passé votre journée, est-ce que vous avez les yeux rouges, les yeux irrités ou des mal de tête irréguliers? Rien de tout ça. Ok, super. Et pas de choses à noter à niveau, au niveau de vos yeux? Non, tout va bien. Ok. De toute façon, je suis là pour vérifier ça aussi. Alors, je vais juste regarder. Vous avez rien besoin de faire. Je check juste vite fait si je vois pas des problèmes au niveau de vos yeux pour commencer. Et c'est vrai que ça m'a l'air tout propre. Ok. Super. Excellent. Si vous êtes amené à faire des travaux liés avec de la poussière, des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre des lunettes. C'est important de protéger ses yeux parce que la moindre poussière avec si vous frottez l'œil et tout après derrière ou vous clignez des yeux, il y a possibilité d'aller abîmer votre œil semblant. Généralement, il y a possibilité de soigner, mais ça peut amener à des problèmes, des infections et tout, donc il faut toujours faire attention. Petite prévention, je préfère, voilà, vous le dire. Maintenant, on va faire un autre test avec la lumière. Vous allez tout simplement la suivre, voilà, sans bouger la tête, uniquement en bougeant vos yeux. Ok, super. Voilà, excusez-moi. Ok, elle clignote un petit peu. Voilà, c'est bon. Elle est repartie. Voilà, même elle aussi, elle travaille beaucoup. Elle a besoin d'un petit peu de repos des fois. Super. Voilà, bougez pas la tête. Juste avec vos yeux, vous suivez la lampe. Doucement. Pour vous, ok.
vous allez simplement me dire leur nom. Ok? C'est parti, je vais camoufler leur nom. Pikachu, excellent. Alors si vous avez pas le nom, vous inquiétez pas. Aspico, très bien. Normalement c'est que des Pokémon de la première génération, vraiment des vieux Pokémon, du coup ça permet même à ceux qui connaissent pas trop d'avoir les prénoms parce que c'est quand même quelque chose d'indémodable Pokémon et que tout le monde connaît quasiment. Ensuite on va voir Loclas. Super. Ensuite Smogo, tout à fait. Ensuite Fantominus, très bien. Ensuite Starry, excellent. Ensuite Psychoquack, très bien. Evoli et Rayquaza, très bien, vous l'avez vu en haut à droite de la carte, ils se voient pas très bien mais vous l'avez vu. Excellent, c'est tout ce que j'avais. Ouais, non, mais c'est juste pour vérifier que vous distinguez bien les choses et tout. C'est vraiment un petit test très très simple. De toute façon, on est juste là pour faire un check-up global où je vais pas venir chercher des trucs en profondeur. C'est pas ce dont on cherche aujourd'hui. Ok, ensuite je vais venir faire un test de couleur pour voir vérifier si vous n'êtes pas et pas de daltonisme. Ok, vous voyez, j'ai un petit crayon très drôle avec plein de couleurs. Et vous allez tout simplement me lire de haut en bas les couleurs et je vais changer l'ordre à chaque fois. Ok, donc là par exemple on a bleu, orange, violet, rose, vert et puis jaune. Ok, alors le vert si vous voyez pas très bien, c'est normal hein, à cause du fond qu'il y a derrière moi, mais c'est pas grave. Je change les couleurs, hop, je remets le feutre correctement et on est reparti. Faire plusieurs fois ce petit test pour que je vérifie que tout va bien. Tac 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 et puis tac. Bleu, jaune, orange, rose, vert, violet, super. Je vais venir le faire une dernière fois. Alors je
voyez que, bah, comme je l'ai dit, si quand le soir vous rentrez du travail ou de la journée, vous voyez que vos yeux sont rouges, irrités, qui vous piquent, que vous avez mal au crâne ou des choses comme ça, c'est vraiment des choses irrégulières, et que ça se présente plusieurs fois, que ça soit pas juste une fois, ok, de temps à autre, mais vraiment genre 2, 3, 4 fois par semaine, là, vous venez me voir, on refait un test et bon, le corps change très vite, hein, donc